Aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire le torch relay exercise. C'est une cérémonie contre la police avec la communauté. La police peut témoigner sur l'engagement pour travailler davantage avec la communauté et resserrer le lien avec la communauté pour nous capables de mettre au pas les trafiquants, les criminels et la criminalité en général. Je pense que c'est une affaire bien importante, ça. Et à travers nous, 80 stations de police qui nous ont à l'île Maurice, à Galega et Rodrigue, nous prenons un flambeau qui nous permet. Et ça flambe là, il faut passer quelques heures là-bas. C'est pour faire une demi-journée ou ça, une journée de porte ouverte contre la communauté pour gagner l'occasion, contre mieux un peu la force policière. Monsieur le commissaire, nous trouvons qu'on fait tout pour préserver l'image de la police, mais ce oui. Matin même, il y a un policier qui a arrêté, il y a une saisie de drogue dans l'aéroport. Mais ça n'a pas passé pour certains. Non, je crois que la population et chaque citoyen doit être fier, parce que depuis qu'il vous prend office en 2015, une première question qu'il a pressée dans le moment, c'est à moi, qui est mon plan pour une brebis galeuse? Et pourquoi mon reste consistant avec ce plan-là? On passe beaucoup de temps et de plus en plus, tu vas une brebis galeuse, une brebis tièzote au sein de la force policière. Et vous avez dit la force policière, une organisation très rare, peut-être la seule organisation qui qualifie tout un élément indésirable, qui prend une mesure nécessaire. On va tout mettre les autres places en gros, on va tout mettre un pareil. Vous pensez la population, vous avez davantage confiance au sein de la force policière. La bataille contre la criminalité, la bataille contre le trafic illicite de drogue, c'est une bataille qui nous peut engager une nuit au jour. Le transfert, c'est le commissaire de police qui fait le transfert. Moi, j'ai besoin d'être qui côté, j'ai besoin de mettre mon élément pour être capable d'apporter plus d'efficacité opérationnelle au sein de la force policière. C'est un exercice qui me fait régulièrement. Je peux faire je peux continuer à faire ça. C'est au commissaire de police qui est dans le professional independence de la police constitution de voir comment il est capable de déployer sur une ressource, que ce soit matérielle ou humaine. C'est tout à fait normal, mais un narnier de méchant là-dedans. On ne va pas faire un narnier avec un arrière-pensée, avec méchanceté. Quand on fait des affaires, c'est pour le bien de la communauté. Ce qui m'a guetté, c'est pour le citoyen, la communauté, se satisfait et se payer un service. C'est la première fois que la force policière fait un anniversaire. 250 ans. Et je vais vous dire qu'il a nous un sponsor, nous mettons deux comptes ouverts à la banque, que tous les sponsors, même les policiers, pour contribuer là-dedans. Et là, nous gagnons cet argent-là, nous pour ramasser et nous pour innover ça à une œuvre charitable. Ça dépend d'un narnier de pertes, d'un narnier de gaspillage. Et j'ai besoin de dire beaucoup d'officiers de police qui travaillent en dehors des autres heures de travail pour être capables d'apporter des contributions à la société. C'est bien un autre dossier qui fait polémique, c'est un vol non autorisé de Cheta. Qu'est-ce qui est arrivé ça? Mais l'enquête en cours. Et j'ai besoin de dire qu'au sein de la force policière, toutes les affaires qui viennent à mon notice, que je peux dire, il y a une irrégularité, il y a un gaspillage, non, on n'y est pas toléré et nous prenons action.